Bonjour. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka. Alors, aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour... Du fight. C'est quoi comme vidéo qu'on fait? Non, attention, tu vas le faire tomber. Ouais. C'est un truc qu'on avait depuis longtemps. Et... c'est du Dragon Ball Heroes. Alors... oula, il s'énerve encore. Alors, c'est quoi comme coffret, Maxime? C'est une boîte, comme toutes les autres. Ouais, c'est une belle boîte de Dragon Ball Heroes, mais alors je sais plus quel est le... ça va? C'est Dragon Ball Heroes, ça doit être sur l'arc Dragon Ball Super avec Golden Frieza. Voilà, voilà. Donc il y a l'air d'y avoir des cartes, évidemment, un petit classeur, des sleeve packs. Non, il y a un classeur? Ouais, il y a un classeur. Ouais, ça s'annonce fat. Il y a une douzaine de cartes promo, je crois. Donc ça, on est très impatients de vous montrer ça parce que ça fait très très longtemps qu'on l'a. On l'a stocké, on voulait absolument le faire en vidéo avec vous. Et puis, bah, son heure est venue. C'est parti. Allez, on vous déballe ça tout de suite. Bon alors, nous voilà pour le déballage en fait de ce coffret Dragon Ball Heroes. Je ne sais plus quelle est la série, si c'est... God Mission ou Heroes, je sais plus trop quoi là. Donc on fait un petit tour de la boîte. Donc là on va pas trop se spoiler parce que ce sont les cartes avec les sleeves. Il y a une carte avatar et un classeur, voilà, avec Sangoku et Vegeta en Super Saiyajin Blue. Alors là par contre, le coffret est tellement... là par contre je sais plus qui c'est. Je sais même pas d'ailleurs. Donc bah, dites-moi si vous savez quel est le nom de ces deux personnages. La boîte est assez grosse. Donc là ce sont les cartes, donc on va pas trop regarder en détail pour ne pas trop se spoiler. Alors comment est-ce que ça s'ouvre? Donc là on a le petit sticker de la Toei ici. Si le focus veut bien, bon, c'est pas très important en même temps. Le petit logo Bandai, et je cherche l'ouverture en fait. Je ne trouve pas. Ah, si, voilà. L'ouverture est ici. Par contre, j'ai pas pris de quoi ouvrir. Alors, on va faire ça comme un gros goret. On va pas garder la boîte. Oh. Voilà. Alors. Et oh là, waouh! Plus rien dans la boîte. Plus rien dans la boîte. Oh, ce classeur! Il est super ce classeur. Superbe reflet de Freezer en gold. Là, on voit bien la tranche Dragon Ball Heroes. Et l'arrière où on a en fait différentes teams de Dragon Ball. Il y a du Broly, il y a du Piccolo, Boo, du Cyborg. On va regarder ça en enlevant le petit plastique quand même parce que ça va tenir les couleurs. Alors, je suis super content parce que le boîtier était un peu abîmé, mais le classeur, il a rien comme choc. Il est parfaitement conservé, aucune rayure. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Oh, les couleurs, elles sont... waouh! Elles sont vraiment splendides. Les reflets sont superbes. Et à l'intérieur du classeur... bon, c'est un classeur hyper classique. Les ouvertures, comment ça se passe, les ouvertures?
Je sais pas. Ah d'accord, ok. Non, c'est pas pareil. Ah oui, ok. Bon, bref, ça c'est pas super important. Donc le classeur, là on se remet un petit peu l'arrière. Voilà, avec Shenron tout en haut. Alors, c'est difficile parce qu'il est tellement grand que on peut pas avoir tout le classeur en une seule fois. Donc là je sais pas qui c'est ces deux personnages là. Bah dites-nous dans les commentaires si vous savez. Enfin je sais qu'il y en a qui savent. Donc n'hésitez pas à nous le dire sur le formulaire des commentaires. Alors on passe au contenu. Oh, il y a de la belle carte. Il y a de la très très belle carte. Alors ah, ça s'est recollé. Voilà. Alors on a c'est recollé. Donc on a les petites sleeves spéciales 5 ans. Je vais en prendre une et je vais vous montrer après avec une carte comment ça rend. Là on a des cartes. Alors je sais pas si elles sont tombées des. Ouais, elles m'ont l'air d'être tombées de du présentoir là. Donc on va les enlever. Normalement je crois qu'il y a un ordre. On se spoil évidemment, mais bon, c'est pas bien grave. Elles sont vraiment splendides ces cartes. C'est vraiment le top du top de la finition, je trouve. On va regarder. Là il y a du Badak. Les personnages, à chaque fois je me dis je vais retrouver les noms. Je m'en souviendrai, mais en fait à chaque fois je les oublie. Alors. On va regarder ces superbes cartes. Donc on a la carte avatar pour jouer sur la borne, voilà. Donc la carte avatar. Oh, elle est d'enfer, donc elle a les petits reflets argentés. Super chouette. Alors je sais pas si la carte avatar par contre. Ouais voilà, c'est. C'est à mon avis plus adapté pour les cartes avec les personnages, mais c'est pas grave, on va tester pour voir ce que ça donne avec la sleeve spéciale 5 ans. La petite protection. Voilà. Alors. Oh bah ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal. Voilà, et derrière, en fait, ça permet de voir évidemment toutes les informations. Alors, on a, tac, le vif du sujet, avec, donc lui, je crois que c'est Badak. Alors, avec un petit effet prisme, je sais pas si c'est perle ou holo, ou cas super chouette. Donc il y a un ordre, effectivement, ça c'est la numéro 10. Ensuite, lui, ah oui, c'est Devil, je sais plus quoi. Lui. Donc la numéro 12, très très chouette le mouvement là. Vraiment, vraiment superbe, ces cartes. Alors, je sais plus le nom, c'est pas grave. Elle est sympa cette carte là. Ensuite, je crois que lui c'est Broly. Il a craqué sa chemise. Ensuite, oula. Ça c'est un Super Saiyan, mais je sais pas si c'est Son Goku ou Son Gohan. Bah, dites-nous tiens, dans les commentaires. Ça c'est Son Goku en Super Saiyan Blue. Vegeta. Dans le même état, un Piccolo qui prépare son attaque. Oh, les reflets sont vraiment, vraiment splendides. Ensuite, on a. Ah, elle est sympa celle-là. Un Broly qui prépare son attaque. Ensuite, on a le Golden Freezer.
Superbe, superbe. Ouais, vraiment très très chouette. J'aime beaucoup cette carte-là parce que il y a le fond, il y a l'explosion là, de l'attaque. Et le freezer en gold est très très chouette. Ensuite, on a un autre Broly. Oh, on termine par deux Broly, tiens, c'est marrant. Voilà, voilà. Donc, ce petit coffret, il est, ma foi, bien sympathique parce que les cartes sont vraiment, vraiment magnifiques. Là, les 12 cartes, plus la carte Avatar. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'unboxing du classeur Dragon Ball Heroes avec les deux compères en Super Saiyajin Blue vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et puis, évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao !